Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating things on all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all. My life is lovely, now I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying. Give me a piece of the moon to remind me we're sharing a room. I'm staring up at the ceiling all alone. Deep. You're always the first to leave, and I'm always the last to know. So you wanna
we're sharing the same room. So you wanna. Bonjour, bonsoir, salutations les gens, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud, que vous êtes pas mal, que vous êtes chaud patate. C'est dimanche, c'est l'après-midi, on est tranquille, petit stream, pas longtemps, improvisé, oui, et pour faire un peu de gribouille en fait, voilà, j'avais envie, je m'étais dit tiens, ça serait cool de faire un peu de dessin, je devais en faire cette semaine, et j'en ai pas fait parce que je suis faible. Je suis un peu faible et je me suis laissé tenter par d'autres trucs. Salut à toi du coin d'Urkov qui est passé, qui nous a mis un putain d'incendie dans le chat. À peine arrivé, qui nous met le feu. On fire, l'ami. Ça régale. Il est toujours là. En plus, le coquinou, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je suis en train de... Attends, on a dessiné, on a dit qu'on allait se mettre de la musique peut-être un peu plus cool quand même, non? Parce que, voilà, on est mieux comme ça, là. Ce soir, on va faire un ASMR dessin. Non, GG Undercom. Undercom, il a fait les 100 follow. Big up à toi, copain. Big up, Max Explo. Bah, attends. Voilà, moi, je dis pour Undercom. Sans déconner. Tant je cherche pour Undercov qui a atteint ses 100 followers sur sa chaîne. Big up à toi copain. Un Max de spell. Mon dieu c'est violence. Mais qu'est-ce que c'est que cette violence bordel. On sent les lance-flammes hein. On fait tout péter, bordel. On explose tout, voilà, c'est ça qu'on veut. GG toi, l'ami. Je t'accompagne un peu, tiens. Ah là là là, bande de tarés que vous êtes. Vous êtes des fous, les gens, vous êtes des fous. C'est incroyable ça, pourquoi tant de haine et de colère en fait? Nous ne sommes que paix et amour ici. Alors je suis en train de préparer le petit écran pour que vous puissiez voir ce que je vais faire parce que vous le savez, moi j'ai pas préparé comme d'habitude, je ne prépare jamais rien, je suis mauvais. Je claque. Claque. Est-ce que ça, normalement, ça fonctionne? Mais non, on est très net. Ben si, je suis très net dans ma tête. Elle me fait trop rire, cette vidéo. Eh ben non, il va pas vouloir me capturer le Photoshop, le coquinou. Alors, peut-être capture d'écran, on va se la faire comme ça. Voilà, on va improviser. Voilà, si on improvise. Ça marche bien aussi l'improvisation. Ah, faut juste que je vous règle ça pour avoir que l'interface, que ce soit un minimum joli quand même. Voilà. Là, on est pas mal, là, on a une jolie feuille blanche.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on se le demande. Je me le demande aussi. J'avais envie. Déjà. On va voir si tout fonctionne au niveau de la tablette. Oui, on est pas mal. On est pas mal du tout. Ce qui aurait été cool, c'est que je me refasse mon avatar de chaîne, en fait. Parce que il est un peu pas fou. Et je m'étais dit que ça aurait pu être cool de... Bah, de refaire un petit peu l'avatar, voilà. Et je m'étais dit, mais pourquoi pas essayer de refaire ma propre gueule. Et ça fait longtemps, hein. Hier, on a fait un petit try vite fait, très vite fait, sur le Discord, fin de soirée, après avoir consommé un petit peu de Diplo. C'était compliqué. Très compliqué. Le boxon qui décide, ça va être une première pour moi. Oui. Dis-toi que ça fait tellement longtemps que c'est presque une première pour moi aussi, en fait. Je veux dire, on peut le prendre comme ça, hein. Et tu vois, ça part mal. Ça part mal, parce que même en essayant de construire un peu le truc, ben ça part mal de ouf. Et puis en plus, tu sais, genre faire, essayer de se faire un portrait de soi-même, c'est quand même horrible. Je sais pas si je me fais mon gros pif de moi ou pas. On sait rien. Genre toi, tu fais de l'art. Oui, Belgari, on regarde. Pour toi, celle-là. Enfin, non, mais qu'est-ce que vous me faites faire? Arrêtez! Sans déconner, arrêtez, c'est pas vrai! Je ne suis pas comme ça! Je crois que j'ai un visage un peu long quand même, il me semble, qui descend un peu vers le bas. L'oreille. Vas-y, on va faire une oreille. Là, je fais juste genre un peu le croquis. Comment ça va au fait, Undercove et Belgaron? Je vous ai même pas demandé si vous avez passé une bonne journée, un bon week-end, qu'est-ce que vous avez fait de beau? Dites-moi un peu tout ça. Ça va super, tu m'as l'air extrêmement en forme, Undercove, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Non, je pense que je vais opter pour un petit nez, hein. Si je me fais la grosse patate du boxon, ça va pas être ouf. Oui, mon nez, on va appeler ça la grosse patate du boxon. Ok. Je sais pas si... Ou alors, est-ce que je ferais pas mieux de me faire en train de regarder plutôt... genre les gens en fait. Bah ouais. Ça serait peut-être mieux. Je suis presque enfant comme ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, je suis en giga forme. J'ai fini il y a pas longtemps mon live. Ouais, j'ai vu que t'étais en live tout à l'heure. Je sortais de ma balade moto et puis après je me suis fait vite aggro assez violemment par Mia et Undercove qui m'ont dit « Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à Valorant, tu veux jouer à Valorant ?» Et moi dans ma plus grande force, mon plus grand aplomb, j'ai dit « Oui, arrive tout de suite !» Je suis faible de ouf. C'est dur de faire un truc de à quoi je ressemble là. Si bon, il faut faire la barbiche. Déjà bon, là, ça on va pas se mentir, c'est beaucoup trop grand là. Tchac tchac. Ah, peut-être comme ça.
Après la bouche, en vrai, je sais pas quoi faire comme bouche. On réfléchira plus tard. Ça viendra plus tard. Vraiment, je la fais la petite moustache. Non, je vais pas me faire la petite moustache, si. On va faire la barbiche. On va faire la barbiche, on était parti sur la barbiche. Ouais, la petite barbiche. Et alors du coup, c'était quoi ton live sur le JDR? C'était genre t'étais en joueur ou en MJ? Ça jouait sur quoi? En joueur, nice. Je me souviens, c'est du Pathfinder ce que tu faisais, non? Pathfinder, nice. Histoire Yobari. Ah, je connais pas après tous les scénars de Pathfinder. Puis il y a tellement à faire sur du Pathfinder. Moi, je me suis retenu un peu d'aller acheter quelques JDR ces derniers temps. Même jeu de société, je me suis calmé. Parce que là, je vois très bien que je ne joue pas. Et à un moment donné, il faut que j'arrête de mentir à moi-même. En me disant, oui, mais tu vas jouer. T'inquiète pas. Non, c'est faux. En ce moment, je vois très bien que je ne joue pas à mes jeux. Hop là, putain, on dirait un vieux en vrai, la moustache laisse tomber, on la dégage. On va dégager ce truc là. Même c'est la barbiche en fait, elle fait yeuf de ouf. Je fais vieux avec ma barbiche, sans rire. Et du coup, Durkov, c'est sur... Vous la jouez sur le Roll20, il me semble. C'est ce que j'avais cru voir. Ça se passe toujours aussi bien, Roll20, ça marche bien. Je sais que ça fait un moment, du coup, que j'y suis pas retourné. Et je sais pas s'ils ont fait genre des grosses mages ou des trucs... Ça marche bien, nice. Là, j'en ai passé des heures sur ce putain de site. Et ça dépanne de ouf. Ça dépanne grave de pouvoir faire des parties JDR comme ça avec des copains. Même s'ils sont loin. Ce qui est juste un peu plus embêtant après, c'est si tu as envie de faire... Comment dire ? Customiser un peu, tu vois, ça prend du temps. Mais après, est-ce que IRL on customiserait autant que ce qu'on aimerait le faire sur Roll20? Bah je sais pas. Ctrl Z, c'est moche. C'est moche. On va cartooniser ça. Hop là, voilà. Un petit coup comme ça là. En plus ça me va bien, je suis tout maigre. T'aimes pas mon image comme ça. Je sais plus, il y avait un truc pour tourner le Photoshop. Je me souviens plus comment c'était. Bon, après tout ça, je vais essayer de le repasser, de le clean, de le mettre un peu plus propre. Je suis peut-être un peu trop joufflu là. Peut-être creuser ça, non? Je suis pas comme ça en vrai. Plus maigre, je suis un os. Merde. Oh.
Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait du Toshop, la tablette et tout. Alors après pour l'avatar, je dis que ça c'était en fait mon plan pour changer l'avatar de la chaîne Twitch. Est-ce qu'il y a des gens qui trouvent ça cool ou est-ce que vous préférez l'ancienne en fait? Avec plus des objets, des logos, des... Ah! À cause de moi? Non, CTRL Z. Tu fais pied, est-ce que tu veux? Ouais! Bien sûr! Mais j'aime bien prendre les avis des gens, tu comprends? Oh, le zen comme ça, là! Ça, c'est le nez boxon, ça. J'aime pas ma bouche. C'est tellement chaud les bouches aussi là. Il y a une espèce de raccourci Windows dégueulasse là qui fait que quand j'appuie trop longtemps, il me pète les... Ah! Le truc de stylé de je sais pas quoi là. En fait là si je reste trop longtemps... Vous avez vu ce petit rond qui vient apparaître et qui me gave? Et ça c'est Windows qui nous pète les rotules. Parlons poliment, bien entendu, paramètres du stylet, tiens. Alors, écriture manuscrite, afficher le curseur. Main gauche, main droite. Appui prolongé. Rien. Appui prolongé. C'est bon si j'ai fait ça là? Genre ça y est? Ben non, il me casse les couilles encore. Double cliquer, cliquer une fois raccourci du stylet, mais la connaissance, c'était pour la manuscrit. Me gonfle Windows, tu me gonfles! Je veux qu'il se passe rien. Chien. Tant pis. Tant pis, tant pis. Hein, on va avancer. Et on verra bien. Faut que je réduise la taille de ma gomme maintenant. Ah, j'en peux plus. Enfin, un genre de clean, tiens, allez, on est des fous, on reste sur le même calque. Oh là, non, attendez. Clac, clac, voilà. Dupliquer mon calque. Et on va essayer de cleaner un peu tout ça, voir ce que ça donne, parce que, bon... Des fois, avec tous ces traits parasites, là... J'ai pas envie d'aller bosser demain... Pareil, Belga. Alors, Belga, t'as pas répondu. Toi, t'as fait quoi de beau ton week-end, copain? Comment ça s'est passé? Tu t'es régalé ou bien? Lundi soir, resto. Hier soir, Murge.
Oh, hier soir, nous, ça a mal fini aussi. Hein. Sur le Discord, là, c'est parti. C'est parti. Badabadabam. Tu me casses les couilles Windows avec tes raccourcis, elle a moi le nœud. J'en ai pas besoin de tes raccourcis tout pété de la nuit. Incroyable ça. Voilà. Samedi, je me suis battu avec cette pour rentrer, puis merge avec toi. Ouais, c'était rapide. C'était rapide parce que après, toi t'es parti et nous c'est vrai que ça avait continué, c'était rigolo. Bah d'ailleurs, t'as pu voir, je crois, passer sur le Discord des trucs assez rigolo. Aujourd'hui même chez mes grands-parents et depuis Pokémon avec mon frangin. Pokémon. Pokémon, tu joues à Pokémon. Coucou Yunari! Comment ça va Yuna? Est-ce qu'on est chaud? Est-ce qu'on est patate? Est-ce qu'on est chaud patate? Est-ce que ça se voit? Est-ce qu'on vous arrive à reconnaître le dessin ou pas du tout? Est-ce que genre c'est méconnaissable? J'arrive pas à me rendre compte. Ta tête, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, gros, ouais. De voilà. Oh, on peut faire ça. Oh. Oh, puis quand je fais ça, ça éclate mon stream. C'est génial, non? C'est ta tête. Mais non, mais oh, mais oh, mais oh, mais quoi? Mais wesh. Ça se passe bien, les révisions, Yuna. T'as pu t'y remettre après, quand même, ou t'as fait une rechute et t'as continué à... Merde, contrôle Z, non contrôle D. Et comment? Ah, voilà, je savais bien qu'il y avait un raccourci. Non mais vous savez, moi ça fait tellement de temps que Photoshop, j'ai pas... Oh mais qui c'est qui vient là? Mais ne serait-ce donc pas notre Miss Mehdi? Mehdi, bonsoir, bonjour, bienvenue. Comment vas-tu Mehdi? Est-ce qu'on est chaud? Est-ce qu'on est patate? Est-ce qu'on est chaud patate? Et donc oui, tout à fait, voilà, c'est ma tête. J'ai un projet, les amis. Un grand projet. Ah oui, putain de flammes qui vont bien. Merci, merci, merci. Je commence à avoir froid. Allez, vous défrisquez. Il y a bien besoin de se réchauffer un petit peu, là. Réchauffer l'ambiance. Parce que c'est son projet. Tout à fait. Il y en a qui sont dégueulasses. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Là. Ouais, le projet... c'est de changer l'avatar de la chaîne. Je reconnais, c'est la fouine. Ouais, gros, bien. C'est bon, on a la ref, Fast. On a la ref, on a la ref. Non, sérieusement, on dirait la fouine. Est-ce que moi je ressemble à la fouine? J'ai un peu que ressemble à la fouine. La fouine, je vais tomber sur un blaireau. Ah ouais, mais lui il en a une vraie belle en fait. Moi elle est dégueulasse, moi c'est la barbe du pauvre que j'ai. C'est ouf, lui il en a une vraie. Je suis jaloux. Oh, oh là 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 là, il y a un truc trop chou qui se passe. En fait, ce qui se passe, c'est que ça va faire vraiment peut-être une semaine. J'ai une araignée au plafond qui est là. Genre, plutôt grosse araignée en fait. L'araignée, vous savez, avec le corps tout petit et les petites pattes là.
Elle est là, elle est dans sa toile et je la vois pas bouger en vrai. Franchement, je la vois quasiment pas bouger. Et j'ai une autre petite araignée, toute petite, toute comme ça, toute noire. Et tous les jours, je la vois monter sur le mur, longer le long du plafond et aller voir sa copine, grosse araignée. Ouais, c'est ça, genre un faucheux. Et elle va voir sa copine et elles se mettent ensemble sur sa toile. Je comprends pas, elles se bouffent pas, elles se font rien. Et là, je vois la petite araignée qui descend comme ça, qui vient se poser sur mon bureau. Et c'est pas la première fois que ça fait ça, ou en fait elle fait des tours comme ça. Et à chaque fois elles vont se croiser, j'ai l'impression qu'elles, je sais pas, elles se connaissent. Enfin, c'est une petite copine, elles se font des bisous. Mais ouais, c'est trop chou. Elles sont trop choupettes. Voilà, petit aparté de... d'araignée. Ah mais voilà, comme ça moi vous comprenez un peu ce qui se passe. En dehors de l'écran. T'inquiète, bientôt. Elles se feront une petite bouffe ensemble. Bah vas-y, hein. Je sais pas trop. Tu crois que je peux, genre... élever ces petites araignées, là. Et genre, ça deviendrait mes potes. Et après, je les intégrerai dans le stream. Je vais l'appeler Mélanie. Comment est-ce qu'on appellerait l'autre? Mélanie, ce serait la petite. Le mec, il est en train de craquer son slip. J'ai une araignée, elle s'appelle Mélanie. Et sa copine, eh ben... Sérieux? Oh non, ben ouais, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont peur des araignées, des os. Ça va, on va pas les intégrer dans le stream, c'est bon. On a besoin des stats ici, hein. Faut faire des stats, là, faut faire des vues. Y'a que ça qui compte ici, hein. Non mais oh. Bonjour, Leia. Leia, t'as fini ta game ou quoi? Non, t'as pas fini ta game. T'es encore en train de jouer à Valo, je te vois, t'es en train de streamer sur le Discord. Comment ça se passe, Léa? Est-ce qu'on est chaud? Est-ce qu'on est patate? Est-ce qu'on est chaud patate? Elle commence sa troisième game. Moi, j'ai pas compté en vrai, mais je me suis fait réveiller par Lilwin et Mia. Après, je me suis fait réveiller entre guillemets, puisque bon, c'était quand même 11h. Matin. En mode. Allez! Faites game! Et puis vous connaissez ma résistance à dire non à ce petit jeu là en ce moment. Bon, est-ce que vous avez passé une bonne journée les gens là, Yunari? Comment c'était ta journée? T'as joué? Enfin, à part on se fait un petit... Non, arrête une... Arrête hein. Parce que regarde, c'est vite fait, hein, un petit coup de Valo là, comme ça. Et bim, on est sur Valo. Hein. Ça se fait pas, ça. C'est moi ou mon stream, il est bugué? Mais oui. Mais... J'en peux plus de moi. J'en peux plus de moi. Mon stream, il est tout bugué, en fait, depuis tout à l'heure. Et personne ne me dit rien. Personne ne me dit rien. Tu as essayé de devenir meilleur. Il est full bug, ouais. Mais ouais. Mais c'est mieux, là. C'est bon. On voit l'interface. On voit tout. On voit le chat. On voit vos petits avatars. Oh, ma petite femme. Oh, elles sont mignonnes. Elles deux fifi qui se sont mariées. Mariées sur Valo, si c'est pas beau. Moi, je suis content d'être responsable de tout ça, en vrai. Responsable d'un mariage dans ma commu. Best commu ever. Vous êtes les meilleurs, tous, vous savez. Est-ce que vous savez que vous êtes les meilleurs? Est-ce que vous savez que je suis très heureux depuis que je vous connais tous et que vous venez et qu'on discute et qu'on fait des trucs ensemble et tout? Est-ce que vous le savez, ça?
Bah, à part le petit valo, j'ai fait créviser. Ah, besoin d'une pause, j'ai besoin d'une pause. Bah écoute, voilà, prends ta pause ici. Demande à Léa de t'accompagner sur une petite game. Parce que je sens que Léa, elle a besoin de sa dose de valo. Moi aussi en vrai, mais il faut que je me retienne. Ah d'ailleurs les enfants, ce soir, moi, pas de valo hein, pour 21h. Je vais vraiment faire le stream sur le film interactif, comme je le disais, comme c'était prévu la semaine dernière et que j'ai pas pu à cause d'un orage. Voilà. Donc le film, je crois qu'il dure plus ou moins 1h30. C'est un genre de thriller qui a l'air quand même bien sympathique. Ah, je peux plus jouer à partir de 2 mai. Une pause, c'est mérité. Tu as le droit à un mariage. Toi, tu as le droit à un mariage. Un autre streamer a le droit à une formation d'un couple. Putain. Nice. C'est beau l'amour. Mais le problème, c'est que voilà. Moi, je reste là en spectateur et je regarde. Je suis content pour vous. Hein. Moi, je suis. Bon, ouais, je vais continuer à streamer. Pas grave. Je suis heureux pour vous. Tout le bonheur du monde, je vous le souhaite, mes amis. Et s'il finit vite, tu viens jouer à Valo après le stream de ce soir, tu parles, Yuna? Tu as lu trop... beaucoup trop clair dans mon jeu, Yuna, c'est incroyable. Je vois pas comment tu as fait pour deviner que ça allait se finir comme ça. C'est incroyable. Donc oui, évidemment. Si il est pas trop tard ce soir, à la fin de mon stream, je lancerai une petite gamme. Je viendrai casser des anus. Parce que c'est bien de casser des... Sur Valo. Calmez-vous les enfants. Je vois vous énerver. Là, non, on parle de... Jeu Valo. Ok. Sur lequel nous distribuons un maximum de love. Et ça fait plaisir. Je crois, n'empêche, c'est le premier jeu qui m'a permis de jouer autant avec la commu en même temps. D'habitude, la plupart des jeux, c'est vite limité, genre 3 places et c'est fou, ou des trucs comme ça, ou même souvent, c'est que du solo. Où les gens même n'ont pas le jeu, tu vois, aussi, c'est très compliqué, parce que les gens, ils n'ont pas le jeu. Des fois, c'est des jeux VR aussi, alors ça aide pas. D'ailleurs, putain, la VR, faudra reprendre quand j'aurai... Et là, clairement, avec Valo, ça permet de vraiment pouvoir... C'est nul, ça, en fait. Pourquoi je l'ai fait comme ça, en fait? Là, je fais de la merde, hein. Ah, que je fais de la merde. Et si on faisait genre un truc comme ça? Non, là on dirait une balle de tennis. Attendez le chat, j'arrive, je vous vois vous enflammer là. On se calme. Déconne, foutez-moi le feu. Alors qu'est-ce que vous me dites de beau? On a un bel gars sauvage qui apparaît, comme ça, qui repop. Il pop et il dépop, il repop, il dépop, il pop, il repop. Mon examen est à 13h30 demain. Je peux jouer un peu avec vous, si vous voulez de moi. Ça, pour toi, Yuna.
croisage de doigts, croisage de bras, croisage de tout ce que tu veux. Grosse merde à toi, vraiment, mais à fond 100%. Défonce tout, stresse pas, respire, tout va bien se passer, passe ta meilleure nuit. Et pense aux bouches que tu pourras éclater sur Valo après ton examen. Une fois que tu l'auras réussi, bien entendu. Plus important. Pokémon Go gratuit, place illimitée, mais c'est quoi ça? Ça sent le truc de Pokémon fait par des indés non officiels. Après, il faut aimer Pokémon, je pense aussi. Moi, Pokémon. À part le Pokémon bleu. Non, c'était quoi? Non, c'était le bleu ou le rouge que j'avais? Tiens, je me souviens même plus. Enfin, que j'avais fait sur la Game Boy classique. Et quand je dis Game Boy classique, c'est le Game Boy. Pas noir et blanche, quoi. C'était pas la color, hein. Je suis vieux. Je suis vieux. Rip-moi. Rip-moi. Je suis vieux, les gens. Ah, je suis tout triste. Parce que je suis vieux. J'ai une teammate de merde. Ah, rip Maléa. Le teammate vachement important. Mais dans Valo, des fois, c'est pas toujours le teammate. Il faut savoir se remettre en question, les... Ok, méchant. Ah, il a osé, putain. Non, je déconne, bien entendu, Léa. Je déconne de l'amour sur ta petite bouille. Ça va au niveau de la musique, les enfants? Vous éclatez? Vous voulez qu'on change? Vous me dites. Oh, je suis pas allé voir le replay encore, Yuna, d'hier soir sur ton stream. Je veux voir du métal sa mère sur le stream de Yuna. Sans déconner. Yuna, sur son stream, elle a mis du gros métal en mode outro. D'ailleurs, faut que je me prépare, moi, des outros de stream, parce que j'ai fait une intro, il n'y a pas longtemps, enfin, genre un pseudo intro. Mais j'ai pas fait de outro cool. Ben moi, non, la semaine prochaine, je suis en vacances, donc pas là. Non, il est pris. Toi, tu vas être en vacances. Tu vas être en vacances et nous, on va travailler encore, c'est nul. T'as intérêt de profiter de kiffer à max, hein, je te le dis. Hein. Enfin, quoi que non, je sais qu'en fait, tu vas pas être vraiment en vacances, si je dis pas de conneries. C'est chiant, le clean de dessin, putain. Puis moi je sais pas faire ça, j'ai pas la patience pour ça. Ou alors ce que je fais... Est-ce que vous trouvez les gens... Petite pause là, après je reprends. C'est un bon délire ça pour un avatar de stream. Merde, je sais plus comment on fait, c'est comme ça. Non, attends, contrôle D. Contrôle D. Ah d'accord, il a pété son plan. Excusez-moi. Hop, contrôle D. Non, contrôle D. J'y arrive plus, hein. Sélection. Après, c'est quoi c'est transformer la sélection, je crois. Voilà, admettons. Clac. Clac. Et là, on dit qu'on va faire un nouveau calque avec ça. Sauf que ce calque, c'est à une couleur. Non, enfin, je me suis fail. Alors, c'est un nouveau calque avec une couleur unie. Ok. Mais on inverse. Et splop ! Alors. Hein, tout ça pour en arriver là.
Pourquoi vous, la fenêtre de stream, c'est toi aplati, c'est tout déformé. Mais nique moi. C'est incroyable. Moi, c'est un rond parfait. Et vous, c'est... réinitialiser la transformation. Mais c'est n'importe quoi. C'est complètement n'importe quoi. Ben voilà, tant pis, désolé. Ce sera comme ça. Boxon galère, exactement, Yuna, exactement, exactement, tout à fait. Non mais moi, sur mon écran, l'avatar, il est rond, parfaitement rond, circulaire, disque, vinyle, tout. Et non. Donc la musique est cool, je suis vieux, merci Yuna, wesh, tu dis ça. Encore une fois, je te défonce, Boxon, quoi? Non mais... Léa, je suis désolé, il y a plein d'amour sur toi, j'ai dit plein de petits bisous sur ta bouille d'amour. Et plein de love. Plein de love, tout plein. Léa. Je te récupère le timecode si tu veux. Le timecode de quoi? Ça va Leia, ça ferme sur Valo. Ben ouais, elle ferme à mort Leia, mais elle va prendre du level aussi, c'est comme Mia, moi j'ai dit hier, elle m'a un peu troué la nuit. Sur Valo, elle commence à prendre un level de... déglingos. Et ça commence à déconner zéro. Osef, l'outro, tu raid à chaque fois. Mais oui, non mais justement, c'est une outro de pendant que le raid se charge, que j'ai envie de mettre en place. Comme ça, les gens, ils peuvent s'ambiancer à mort, lance-flammes, tout qui explose, les caméras qui flippent, qui se retournent et tout. Enfin, tu vois, je me dis que ça pouvait être un bon délire si ça faisait ça pour partir aussi de la chaîne, quoi. Tu vois, des trucs où ça switch dans tous les sens. Et j'aimerais bien trouver, tu vois, un moyen de pouvoir intégrer des grosses flammes qui viennent juste en appuyant sur un bouton, tu vois, un peu comme quand je fais ça, tu vois. Avoir ce genre de délire, ça serait cool. Mais je sais pas encore trop comment je préfère pour intervenir. Parce que je prévois une scène où genre il y a que des flammes en fait. Et qui nous tombent sur la gueule. Ah, des qui souillent. Mais oui, les qui souillent sur ta bouille. Ça rime en plus. Est-ce que... Je sais ce que je vais faire. C'est moche, mais je vais le faire. J'en reviens pas. Je suis dégoûté de voir que dans le stream, il y a une recompression de l'image. Enfin, une déformation de l'image qui fait que vous êtes... comment dire? Que c'est tout tout dégueulasse, déformé. Je suis déçu. Est-ce que vous connaissez cet outil de fluidité, les amis? Si vous connaissez pas, sachez que c'est celui qui permet le plus souvent... dans les gros magazines et trucs comme ça de ben voilà de retoucher les mannequins, vous voyez, pour leur mettre des seins un peu plus gros, des petits trucs, tout ça. Le timecode, ouais, en vrai, ouais, au pire je chercherai. C'était sur la fin, de toute façon tu m'as dit non, c'était la fin de ton stream. Bam, 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 bam. C'était genre les 20 dernières minutes. Nice, nice. Après, si t'as le timecode, vas-y, feu. Sinon, t'inquiète, je prendrai le temps de chercher, y a pas de sauce. Est-ce que je suis un dingue? Et je tente de faire de la couleur. Parce que je suis trop chaud comme mec. Ou alors, la scène était ouf. J'ai trop... Ouais, faut que je voie ça. Faut que je voie ça de ouf. Je sais pas trop comment je vais me démerder. Ou alors, ah, je sais ce que je fais. Je fais ça à l'ancienne.
genre un calque d'ombrage. Ah ouais, on va faire ça. On va faire ça comme les pros ils font des fois. Genre pas comme moi. On va reprendre le brush, on va enlever ça. Voilà, on va faire des crocs à la place à maman. Nique-moi. Ok. Alors, ça sent bien ce peu là ou quoi? On fait du dessin ici, truc calme, ok? Sur l'ombre. Et moi aussi je connais cette musique Undercove. Je sais pas ce que c'est. En fait je dis je sais pas mais je peux le savoir. Hein. C'est laquelle qui tourne? C'est celle-là, Cold Raven. Parce qu'on s'est un peu emballé aussi, Yander, attends. Un fait quand même. C'est bien que des fois on est des fous ici, on s'emballe, on fait péter le son. Mais tais-toi, toi, en fait. Oh, non, mais en temps normal, la musique, ça va quand même. On est des fous. Mais oui, voilà. C'est ça, Yander, on sort le lance-flamme là. Longtemps qu'on l'ait pas vu. Un stream sans lance-flamme n'est pas un bon stream ici. Je suis incapable de faire des traits droits, jolis. C'est fou ça. Brush. Non, X. Ah, j'ai trop cliché, j'ai trop cliché. Ça brûle dans le chat, ça brûle! Un chat qui brûle! Luna! On a le chat qui brûle! Ah! Pas les chats! Je l'entends déjà d'ici. On brûle pas les chats! Il va falloir que j'onde d'autres trucs, hein. Bon, genre l'oreille déjà. 3h34. Merci Yuna, c'est noté. Ah, 44, pardon, excuse-moi. Putain, je lis à l'envers en plus. Hein. 44. C'est noté. T'en faute en plus, t'as vu? Presque. Putain, mais je sais pas pourquoi. Photoshop. Je sais pas si c'est Photoshop, ma tablette, ou... Mais il y a un truc qui va pas, là. Dans mes raccourcis... Ça bugouille, hein. Brush, non. X. Non, mauvaise couleur. Oh, puis les raccourcis Windows en plein milieu qui viennent nous foutre la merde.
incroyable ça, hein, ce Windows. Tu utilises quoi comme logiciel Photoshop? Parce que c'est un des seuls que j'ai appris et que j'ai commencé à maîtriser, voilà, pendant les études, tout ça, tout ça. Et que je suis plutôt bien à l'aise. Enfin, bien à l'aise, c'est un grand mot. C'est quand même un grand mot. Mais voilà, quoi. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il dit VR comme réalité virtuelle, tu vois? Oh la bouche, ça va me péter les nouilles aussi. Est-ce qu'on tenterait pas déjà, voilà, de se faire un peu plaisir? Je sais plus trop comment on fait ça. Toi, tu entends bien? C'est énorme ça, il y a des vidéos entières sur ça, sur ce qu'on appelle les les hallucinations auditives. Exactement. Et c'est tellement cool. Je trouve ça tellement rigolo. Quand tu as des musiques comme ça, où tu as juste l'impression que le mec il dit c'était quoi? C'était genre cuit, les œufs sont trop durs. Sur une chanson de Metallica par exemple. Ça rend ouf. S'il y en a qui connaissent pas, je vous invite à taper sur YouTube. Hallucination auditive musique. Et vous allez tomber sur des. Vous allez tomber sur des musiques, enfin des vidéos, où il y a des gens qui se sont amusés à mettre un sous-titre sur des musiques avec des hallucinations auditives, où en gros, ben voilà, dans la musique, t'as, comme souvent c'est pas trop français, et nous on a l'impression que du coup le mec il dit complètement autre chose. Et c'est quand même assez marrant. Ah mais grave. Moi il y en avait une. Putain, je me souviens plus ce que c'était. Mais je me la mettais mais en boucle tellement elle m'avait donné un fou rire. C'était en plus. C'était la musique, mais genre gros métal, trop vénère, gros truc de punk, tu sais. Et dans la phrase, ça faisait presque. Ah moi j'aime les petits bateaux, quoi. Les petits trucs mignons ou je sais plus. Enfin c'est trop. J'en pouvais plus. Je la retrouverai si vous voulez un jour et je vous la mettrai dans le Discord. D'ailleurs, je pense à ça, mais passe pas partenaire. Tu vas te faire ban direct, tu utilises que des musiques avec des droits. Donc tu vas passer partenaire et tu vas prendre des strikes direct. Mais pourtant. Normalement, c'est libre de droit ces musiques. Justement. J'ai regardé et normalement, c'est des musiques Twitch friendly en fait. Dans le sens où on peut les diffuser sur Twitch. Sans risquer. Parce que j'ai eu des fois des musiques où effectivement ça passait pas. Et derrière, en fait, ça t'arrive à le savoir. C'est quand tu vas regarder après tes replays et tu vois que ton replay il est mute. Généralement, ça veut dire que le robot Twitch a détecté que la musique que tu utilisais n'était pas très très libre de droit et que ça ne lui a pas plu. Luminosité, teinte, saturation. Alors c'était quoi? C'était produit peut-être? Ouais, en produit. Enfin, c'est en produit.
Et on repasse sur ce calque. Voilà. Non. Non. Fais ça bien, bordel. Oh putain, j'ai envie d'aller à un concert. Mon PC vient de s'éteindre au calme, sans raison. Ah, possible surchauffe, Leia, ça. Surtout si tu faisais tourner du Valo et que tu disais que ton PC avait du mal sur des jeux un peu gourmands. Ombre. C'est probable que, ouais, ce soit ça. Et alors, si je crée encore un nouveau calque, genre comme ça, comme ça. Ça, on va l'inverser. On va juste faire ça, comme ça. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui peut servir à faire de la luminosité? Je me souviens plus lequel c'est. Mettre un peu de lumière comme ça là, plus dans les couleurs un peu chaudes. Bonjour, bonsoir, Couloum, comment ça va, ma fifi? Est-ce qu'on est chaud? Est-ce qu'on est patate? Est-ce qu'on est chaud, patate? Comment j'ai achetez-moi un PC gamer? Oui, bien sûr, les gars, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'allais tout juste. Aller chez... où c'est moche, ça. Non, je pense qu'il va falloir y aller sur des brushes peut-être un peu plus floux. Dureté, non. Voilà. Et peut-être... Je sais pas ce que c'est que ces musiques, mais elles sont violentes. Désolé Léa, mais je peux pas être ta sugar mami, j'ai pas de thune. Coucou Gollum, non, toujours en camping, mais il pleut. Ah bah c'est bien ça, s'il pleut au camping, ça met de l'ambiance un peu. Non mais c'est moche, je peux pas faire ça. Ah, les lumières, par contre, c'est pas mon... Et peut-être là, comme ça. Ouais, peut-être, ça, comme ça, quelque chose comme ça. C'est à quelle heure ton stream de ce soir? Normalement, c'est 21h, mais en vrai, pour une raison que j'ignore, si je peux, je vais essayer de le démarrer plus tôt. Pour une raison que j'ignore. Mais je promets rien. Je promets rien sur le fait de peut-être le démarrer plus tôt. Je dirais le bronzage raté. Mais ouais, non mais... C'est chaud, hein. C'est chaud. Je me demande si je vais faire la lumière, en fait. Hein. Ou alors, faudrait... Ou alors si j'en fais, attends. C'est ça. Parce qu'en vrai, je suis beaucoup trop fort. On va faire un truc à peine. Voilà, voilà, faut qu'on se calme un peu. Auto-bronzant, merci, merci. Et réseau de merde, j'entends un mot sur deux, ma petite Gollum. Attends, on va baisser un peu la musique. Comme ça, ça devient un peu plus audible. Voilà. Non, hein, ça reste moche, hein, y a pas à chier, ça, je sais pas. Hein. Je sais pas. On va faire abstraction de ça. Voilà, c'est très bien comme ça aussi. On va passer. Clac, 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 sur ce.
Courage, courage, quoi, courage, courage, Gollum, courage, Gollum, Gollum, Gollum. Bon, c'est pas ça, mais je dois partir car Twitch consomme à mort. Ça roule. Ça roule, ma fille. Bon courage à toi, du coup. Voilà, comme tout le monde te le dit. Des bisous. Et putain, je vois l'heure qu'il est. Sans déconner. Il va falloir aller pratiquer la mangeation. Coucou Ender. Il est là depuis tout à l'heure. Il est en train de nous observer un scred. Il faut que j'aille manger, les enfants. Faut que j'aille manger. Je me dépêche de sauvegarder ce petit document. Voilà. Moi, je vous dis rendez-vous à tout à l'heure. 21h. Bon, dans une heure. Avatar. Boxon. Twitch. 6. Voilà. Hein, une heure pour faire ça. On est bien, non? Je vous aime, je suis morte, je vous donne tout ce que j'ai, mais beaucoup trop d'amour, ma petite Gollum, beaucoup trop d'amour. Oh non, il y a Bikers, il est en train de streamer Biomutant, j'y crois pas. Oh, il a pécho Biomutant. Oh, le coquinou. Eh bien, les amis, voilà, ben voilà, ça fait une bonne raison pour aller lui donner un max d'amour, un max de love à notre ami Bikers Bob. Vous commencez à le connaître, vous l'avez tous déjà vu. J'ai streamé avec lui une paire de fois, il stream aussi, d'habitude on fait du ballon ensemble, bref. Un max de Zbel pour lui, un max de Tsuki, tout ça. Voilà, on peut faire des trucs comme ça, C'est ça qui est rigolo ici. Bisous tout le monde, bon appétit. 21h pour le stream sur Erika, yeah! Putain, il y a deux boxons. Bon appétit tout le monde, des bisous. Pouh, allez, bon voyage, ciao.